Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Mol Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batrana, Rachel Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, Maurice Moshe ben Sultana, Moshe Machlouf ben Moshe Michael ben Machlouf, ainsi que deux fois Sarah Bat Betirivka, Raphaël Zvulun ben Chaya, Maria Bedor Shah pour Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah avec telle 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Menachot, Parek Yud Gimel, Mishnah Chet. Are alai shor yavihu unesachav bemane. Egel yavihu unesachav bechamesh. Ail yavihu unesachav bishtaim. Keves yavihu unesachav besela. Shor bemane yavi bemane chutz minesachav. Egel bechamesh yavi bechamesh chutz minesachav. Aïl bishtaim, yavi bishtaim, chutz minesachav. Keves besela, yavi besela, chutz minesachav. Shor bemane de vishnaim bemane, lo yatsa, afilu ze bemane chaser dinar, veze bemane chaser dinar. Shachor vevi lavan, lavan vevi shachor, gadol vevi katan, lo yatsa. Katan vevi gadol yatsa, rabbi omer, lo yatsa. On continue avec les nedarim, celui qui fait le vœu d'apporter un animal en corban au Beth Amikdash, qu'il s'agisse d'une ola, d'un shlamim. Maintenant, on va s'intéresser à savoir quel prix doit coûter, à quel montant il doit coûter. Vous savez bien, c'est comme acheter une voiture. J'ai vu que j'allais apporter une voiture. C'est quoi une voiture? Une épave, une Rolls, une Ferrari, une quoi? Quel niveau? C'est le même principe. Tu as dit que tu allais apporter un taureau. D'accord, tu as dit que tu allais apporter un taureau. Mais à quel prix, quelle qualité de taureau? Alors, sur ça, on va avoir des barèmes. Des halakha, c'est de tout. Le Barthénoir nous rapporte que ce sont des Torah chez Béalpé, je ne sais pas, c'est un truc, je pense que c'est Al-Achal Moshem Sinaï, j'imagine. Torah chez Béalpé, la voix, on a, comme ça on tient par transmission de nos maîtres, que les barèmes de chaque animal. Donc, Aré Al-Aïchor, je prends sur moi d'apporter un taureau, Yavihoun Sachav Bemane. Vous vous rappelez quand je dis que je dois apporter un taureau, par exemple, en Ola, alors je dois aussi apporter une Minchat Nesachim, je dois apporter aussi une oblation. Deux. Vin et de semoule mélangé à l'huile, d'accord? Donc, à part l'animal que j'apporte, je dois apporter, t'apportes, bien évidemment, t'apportes la viande, tu dois apporter aussi le vin et le pain pour manger, il faut agrémenter le tout, d'accord? C'est le même principe, tu vas apporter un corban au Beth Amikdash, tu dois apporter aussi ton oblation de semoule, tu vas brûler intégralement au Beth Amikdash, et ton vin que tu vas aussi verser sur le Beth Amikdash, tu fais un repas complet, d'accord? Eh bien, quel valeur doit valoir le tout, la Mishnah enseigne Yavihu ou Nesachav Bemane. Il faudra que lui, le taureau, et même ses Nesachim, les oblations de blé, huile et vin, ben ensemble, qui vont coûter au minimum un mané. Un mané, ça fait 100 zouz, 100 dinars de l'époque. D'accord? C'est une quantité. Retenez, malgré tout, même si je sais pas, ça ne va pas beaucoup vous aider, un dinar, ça fait 192 proutot. La plus petite pièce. Je ne sais pas si c'est l'équivalent de 15 agorot, 20 agorot, je ne sais pas. Faites la multiplication et vous allez avoir un peu. Le mané, c'était une quantité d'argent assez importante. Un smicard réussissait à tirer son mané avec deux manés, 212, pour vous donner une. Donc c'est une grosse somme, mané. C'est assez conséquent, quoi. D'accord? Il y a ici le Yachin vous propose une conversion en monnaie de l'époque, en roubles, j'imagine, 15 roubles, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Voilà. En tout cas, je reviens sur la Mishnah. Donc, quand tu fais un taureau, mais ce qui va nous intéresser, c'est malgré tout de comparer les choses. On va mentionner tout de suite quatre sortes d'animaux. Le taureau, le veau, le bélier et le mouton. Et ça va être, si je traduis tout directement en zouz, ça va nous faire 100, 4, 100, 20. Ensuite, on va avoir 8 et après, on va avoir 4. D'accord? Regardez. Aré alaïchor, je prends sur moi d'apporter un taureau. Yavihu ou Nesachav bemane. Lui et les Nesachim ensemble, ils vont faire un mané, 100 zouz. Egel, Yavihu ou Nesachav bechamesh. S'il a dit qu'il allait apporter un veau, il faudra que lui et les Nesachim vont compter 5. Cette fois-ci, on parle de 5 sela. Or, un sela, c'est 4 dinars, donc ça va nous faire 20. Regarde, on est passé de 100 à 20. Aïl, t'as dit que t'allais apporter un bélier, Yavihu Unesachav Bishtaim. Lui et ses oblations de blé et de vin devront compter 2 Sela. Fois 4, ça va me faire 8 dinars.
Donc on a 100, 20, 8, et maintenant Keres. Si tu as fait le don, le vœu que tu allais apporter un mouton, Yaviun Sachav Besela. Lui et les Nesachim et les oblations de blé et de vin compteront ensemble un Sela, donc 4 dinars. D'accord ? Donc regardez un peu les barèmes, un peu. J'ai été étonné, quoi. Je ne sais pas exactement dans le combien coûte aujourd'hui un taureau adulte et un veau quand il est encore petit. Je suis étonné quand même que la Torah nous ait demandé d'apporter 5 fois plus. Je ne sais pas si c'est un rapport assez. Je ne sais pas. En tout cas, comme ça, c'est écrit. 100, 20, 8, 4. On continue. Maintenant, ce qu'il a fait, lui, maintenant, la deuxième série de convoyants dans la Mishnah, c'est qu'il a explicité la valeur du taureau en explicitant justement la valeur mentionnée. Et vous allez voir que cette fois-ci, ça va changer. Shor Bemane, c'est-à-dire que je vais apporter un taureau d'une valeur d'un mané. Donc, comme le coefficient apparemment qui était explicité là-haut, donc 112. Et ben non, Yavi Bemane, Chutz Minesachav. Tu devras apporter un taureau qui coûte un mané, mais qui n'inclut pas les Nesachim, les oblations. Il faudrait que le taureau lui-même, la chair du taureau, le taureau lui-même, coûte déjà les 112. Et en plus, tu devras apporter aussi les Nesachim. Puisque tu as dit que le taureau fera 100, et ben c'est le taureau qui doit faire 100. Sinon, plaisir, le taureau et ses oblations feront 100. D'accord ? Egel Bechamesh. Idem, il a précisé qu'il allait apporter un veau qui coûte 5. C'est là donc 20 dinars. Yavi Chamesh Rous Minsachal. Il faudra donc apporter effectivement ce veau qui coûte 5. En plus, à l'exception de ses Nesachim, c'est-à-dire que le veau lui-même devra coûter les 20 dinars. Et en plus, apporter à part ça les Nesachim. Ce ne sera plus inclus. Les oblations de vin et de semoule. De farine ne seront plus inclus à l'intérieur de ce prix de vin. Ensuite, Ail Bishtaim. Un bélier a une valeur de 2, celle-là, donc 4, donc 8 dinars. Yavi Bishtaim Chutz Minesachal. Il faudra de nouveau que la valeur inclue le bélier sans les oblations. Keves Besela, c'est-à-dire que je vais apporter un mouton d'une valeur de 1, celle-là, donc 1 dinar. Yavi Besela Chutz Minesachal. De rapporter qu'il faudra que le mouton, en principe, qui coûte 4 Sela, à l'exception de ses Nesachim, que le mouton lui-même coûte ce prix-là. D'accord ? Maintenant, troisième série de la Mishnah. Shor Bemane Vehevishnaim Bemane. Il a fait le vœu d'apporter un shor, par exemple en Ola, qui coûte un mané, qui coûte 100 zouz. Comme ça, il a explicité. Et finalement, il a trouvé au marché, il a trouvé deux qui coûtaient 50. Il a dit c'est super. Pourquoi apporter 1 qui fait 100 ? Je vais apporter 2 qui font 50. 50 et 50, ça fait 100 apparemment. Eh bien non. L'Oyatsa, il ne s'est pas acquitté. Parce que tu as exprimé que tu as apporté un cadeau conséquent. Et puis un cadeau conséquent, alors ça implique d'apporter un cadeau conséquent. D'apporter le taureau qui coûte 100. Mais même mieux que ça, la Mishnah continue, elle me dit « Afilo zebemane chaser dinar, zebemane chaser dinar ». Même mieux que ça. Si les deux que tu as achetés, chacun coûtait 99 et 99. C'est-à-dire 1 mané moins 1 dinar. C'est-à-dire 100 zouz moins 1 zouz. 112 moins 1 dinar. D'accord ? Ou encore, les deux. Donc il a dépensé, en fait, il devait apporter un corban qui fait 100. Au lieu d'apporter un corban qui fait 100, il a apporté deux corbanes qui font 99. Eh ben non ! Tu avais fait un vœu d'apporter un corban conséquent d'au moins 112. Tu ne t'es pas acquitté de ton devoir et tu devras continuer à apporter un corban de nouveau. Shachor vevi lavan, lavan vevi shachor. Il a dit qu'il allait apporter un. Alors on peut parler des boucs par exemple. Noir, et finalement il a porté un blanc. Ou bien il a dit qu'il allait apporter un blanc, et finalement il a porté un noir. Gadol vevi katan, il avait le vœu d'apporter un grand taureau, ou un grand bélier, un grand ce que vous voulez. Et finalement, au moment d'apporter le corban, il a apporté un enfant, un jeune encore qui venait de naître, dans la première année. Et la première année, la deuxième année, c'est comme ça que c'est fixé. Pour savoir qu'est-ce qui est un Egel et un taureau, pour savoir qu'est-ce qui est un Gdi et qu'est-ce qui est un Saïr. Alors c'est 1 an et 2 ans. En tout cas, il a dit que Gadol Bevi Katan, que j'avais apporté un grand. Et finalement, il a apporté un petit. On va lui dire merci pour le cadeau, c'était très sympa, mais tu ne t'es pas quitté de ton vœu d'apporter le grand cadeau. Loyatsa, tu ne t'es pas quitté. Maintenant, Katan Bevi Gadol, si tu as fait le vœu d'apporter un petit, et finalement, tu as trouvé un grand et tu as apporté le grand. Alors là, ce sera une discussion, c'est la discussion qu'on traîne depuis maintenant plusieurs minutes en arrière entre Rabbi et Chachamim, que sauf, on la voit enfin écrite explicitement, que selon Tanakama, Yatsa, et tu l'as quitté. T'as dit que t'as apporté un petit, finalement t'as apporté un grand.
Yesh bichlal matayn mané, comme la Mishnah nous dit. Il y a dans 200, il y a 100, ça inclut 100. Quand je te dis que j'allais te faire un cadeau de 100, je te fais un cadeau de 200 shekels. Eh bien, quand je te donne 200 shekels, tu reçois 100 et même plus. Donc, tu as dit que tu allais apporter un petit, tu as apporté un grand, il y a le petit avec en plus ça, un excédent de viande, c'est parfait. Donc, il y a ça, tu t'es acquitté. Telle est la vie de Tanakama. Tandis que Rabbi Omer, l'Oyata Rabbi nous dit non, tu ne t'es pas acquitté, étant donné que le grand et le petit sont définis, selon Rabbi, comme deux espèces différentes. D'accord ? Donc, deux espèces de... Ouais. Quand tu vas t'apporter un petit, t'apporter un grand, c'est très gentil, tu m'as apporté un beau cadeau, mais c'est pas ce que tu m'avais promis. Tu m'as promis un petit veau. Moi, j'aime bien les côtes de veau. D'accord, c'est la viande plus tendre, plus tu m'as apporté un grand taureau. Merci, c'est très gentil, mais ce que tu m'as promis, tu ne t'es pas acquitté de nos veaux. Et sur ça, l'alakha n'est pas établie comme Rabbi, mais comme Tanakama qui nous dit que tu t'es acquitté lorsque tu as dit que tu allais apporter le petit et que finalement tu as apporté un grand, tu as acquitté ton devoir. Et de ce fait, là, de là, il va falloir revenir en arrière sur toutes les Mishnayot Zayin et Vav, je crois même un petit peu avant, où en fait, on va tenir l'alakha en fait comme Chachamim. Et par exemple, dans la Mishnah précédente, on avait vu qu'il fallait apporter, tu avais précisé que tu allais apporter un Shlamim, tu avais précisé l'espèce, mais tu n'as pas dit laquelle. On avait dit qu'il y a trois familles, mâle, femelle, fois. Adulte, enfant, selon Chachamim, tu supprimes adulte, enfant. Adulte, enfant, c'est une seule chose. Donc, il se retrouve en fait à apporter 6 korban au lieu d'en apporter 12 selon Rabbi. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.